Ohayo minasan, c'est Kenshou. Et aujourd'hui, je suis de retour sur le bon vieux Fallout 4. Donc, comme je l'ai dit dans le précédent épisode, c'est que je n'avais pas ma voix à dire sur le jeu. Donc voilà, j'y reviens, on va dire, entre guillemets, mais en off de la vidéo pour le son. Et je suis vraiment désolé. Parce que franchement, j'étais vraiment dans le temps, dans la partie quand je parlais. Donc là je peux appuyer sur un bouton, je sais pas à quoi ça sert. Et je m'en fous. Tu vas crever, oui ou merde. Parce que je sais pas à quoi ça sert. Là je cherchais en fait le moyen pour monter en haut. C'est l'heure de mourir. Lui, il décède. Lui aussi va décéder là. Ouais. Tout ce que tu sais faire. Oh, erreur fatale. J'adore ce mec quand même. C'est juste toi et moi. Toi et moi. Puisque il seul et qu'il en vole. Ouais. Bon, je crois que j'ai dit ça un moment dans l'épisode. Bon, je crois que j'ai dit. Prends-toi. J'en aurais fini vite fait. Ôtez votre camp de sécurité. Ouais. M'en occupe. C'est tout. Tête de vol. Oh, Fatman. Oh my god. Ah, ça devrait pas être long. Je commence à être chaud. Ok. Hey, oh. C'est quoi ce bazar? Super. Oh, ouais. Oh nice. Ouais, après je sais pas ce que je fais, mais du moins j'étais content. Là, je suis... Oh ma gueule. Oh merde. Ouais, je vais chercher mes grenades normalement. Même pas, je en plus. Ouais, c'est ça, je prends les grenades. Et youpi, grenade. Grosse erreur. Grenade congelée. Grenade congelée, toi. Je vais te briser tous les os. Je suis aveugle. Oh, erreur fatale. Ouais, la prochaine fois que vous utilisez, dommage. Comme je dis, si vous avez arrivé plutôt à lire sur les lèvres, dites-moi en commentaire ce que j'ai dit. C'est un défi ça. C'est bon. Dans la cabine du capitaine. Ok. Donc voilà, là je regarde à peu près les choses qui est autour de moi. Je vois un peu de la merde. Là je me dis, alors qu'est-ce que... Ok, oh chouette, de la colle. Ah merde. Ah fuck. J'ai pris le panier avec. Donc là voilà, tac tac, j'avance et je fais... Oh, c'est quoi ça? Joli. Oh. Putain, un fusil à pompe.
en mode étoile. Ouh, là je fais le what the fuck. Ah, voilà, mais ça c'est mon fusil à pompe, il fait 87 dégâts, je me dis, il est puissant quand même. Et là je regarde, enfin du moins j'ai cherché l'autre là, le fusil à pompe là. Là je suis, il est où? Et là, je le trouve. Il a dit, je préfère mon pompe, je verrai si je l'améliore ou pas. Joli. Hop, petite technique avec le bouton E enfoncé pour enlever ça. Enfin, du moins pour le mettre en lutation et le poser par terre. Là, franchement, je vois qu'une sortie, hein. Je vois pas où je peux passer. À gauche. Vous allez continuer longtemps à vous charger de trucs inutiles. Eh oui. Là, je fais what the fuck, mais qu'est-ce qu'il fout lui? On sent en train de bugger dans le mur, tu sais. En mode what? Là je fouille le PC. Enfin, du moins j'essaie d'ouvrir. Ça y est. Alors si du premier coup, yes. Enfin premier coup, enfin, dans l'ouverture du PC. Là je fouille, mais rien que dalle. Là je fais ça, un coffre, ouais. Entre ces deux parties, on va dire, entre guillemets, enfin du moins la partie, il y avait beaucoup de coffres hein, sur la map, donc je me suis fait plaisir, j'ai ouvert tous les coffres. Donc là, la chambre est visitée, je regarde d'un coup pour voir s'il n'y a pas un passage, donc il n'y a que celui-là, je sors. Massacre en haute mer, ça ferait un bon titre de film, non? Ouais, ça peut être un bon titre, ouais. Et là, je me dis comment je vais monter en haut? Qui est là? Je sais pas où il fallait passer, donc je regarde partout, et de toute façon, je sais pas du tout où il faut passer. Je sais pas, peut-être avec le bouton que j'ai vu tantôt, mais j'ai pas vraiment réfléchi avec ça. J'espère que c'est pas ça. Là, je vois le cadavre du mec que j'ai tué là, en haut, là, que j'ai congelé. Ramasser ses armes, mais je regarde juste pour ce qu'il avait et le reste je vais laisser. Ok, donc voilà. Qui est là? Là je suis. Oh. Je sais qu'il faut passer par là. Ah tiens, mission, j'ai oublié. Hey, qui est là? Ok. Ça, je suis. Mais tiens, on va se passer par là. Et que. C'est hard, hein. Tiens, moi, c'est un escalier que j'ai pas vu. Ce soit pas encore des ghouls. Non, c'est plus pire qu'une ghoul, on va dire. Et si j'arrive à te trouver, je vais te mettre une balle. Je l'ai dit, je crois. Dans ces tours-là. Okay. En fait, ça m'avait saoulé grave parce que j'ai pas trouvé l'endroit. Qui? Ah,
Je jurerais avoir entendu quelque chose. Donc là, j'attire son attention. Là, il s'est monté tant que mal en haut. Ils sont là! Par ici! Mais merde, 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 merde! Non, 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 non! Qu'est-ce qui s'appelle tirer droit, naze? Tu vois, si je tombe dans l'eau, en fait, je suis gavé lourd, donc ça peut le faire. Tiens, je peux passer par là. Mais. Ça passe pas trop. Merde, je vois plus personne. Tiens, ici, là. On s'en bat les steaks. On vit. Dans ta planche, le plasma. Ça valait même pas le coup de gaspiller mes balles. Ouais, ça c'est fait. Maintenant on va tous revenir. Ok. Là, je me dis comment je vais revenir là-bas, putain! Donc là, je me fais un petit TP, on va dire. Tranquillou. Au commissariat. Hop là. Je me dis, je reviendrai pas dans cet endroit pourri. Enfin, je crois. Voilà, chargé, hop, c'est parti. Je parle pas, je marche, continue. Regarde ma map, on sait jamais. On saura bien c'est là-bas. Oh, le Fat Man. Et je l'équipe comme un branleur. Quelque chose, ces vieilleries? Ouais, ça vaut quelque chose, ça peut aider à craft, je crois, j'ai dit. Un moment. Ouais, je l'ai là en fait. Et là, paf! Le petit corbeau. Dommage que je peux pas récupérer de la bouffe de corbeau ou autre, je me dis. C'est dommage. Là j'en achète un peu, un ramasse un petit peu de plantes. Donc voilà. Et là je me dis, je regarde la map pour savoir où aller. Oh, des ghouls! Donc là, je me dis, oulala, qu'est-ce que je vais utiliser? Oh, mais j'ai un Fat Man? Pourquoi pas le Fat Man? Hein? Allez! Fat Man! Cet endroit ne me dit rien qui vaille. Je crois. Oh, Fat Man! Ghoul sauvage par ici! Pas cette fois! Pas cette fois, le ghoul. Oh, ma gueule, c'est juste comme un pied! Aïe! Tiens, mange! Qu'est-ce que tu fous? Allez! Hop! Je suis un fichu magicien par ici!
Ah bon? Où ça, magicien? Où ça, magicien? Franchement, je me dis... What? Il rigole. La limite décevant. Ça fourmille un peu là, hein. Hey. Oula, c'est quoi ça? Une goule desséchée. Oh, elle est horrible. Oh my god. Ouh. T'as bien fait mal la conne. Hey. Oh my god. Allez. Tu vas crever. Je commençais tout juste à m'amuser. C'est comme ça qu'on... Ça fait un petit peu mal, hein. Je vais un peu me soigner, hein. Ouais. Ça fait du bien. On fait par ici, ça. On prend un petit peu de ça, voilà. Du mental. Oh. Alors, qui veut souffrir? Oh, oh my god. Où sort lui? Ah, tu... ah non, ah c'est aïe. Putain, bah, aïe, il fait mal là. Oh my god. Oh yes, je montais de niveau en plus. Oh. Par contre, ça me fait vraiment mal, con. J'y revenais pas, quoi. Il faisait très 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 mal. Le machin, il m'a crunché comme en mode what? Donc là, je descends en bas. Je vérifie cette ghoul. Si elle est morte, elle est morte. Ok. Donc là, je regarde. Ok. Mètre, ok. Que dalle. Regarde un peu dehors. Hop, voilà. Hop. Je monte en haut. Et je fais. What? D'où tu sors pour encore? Ah, légendaire! Oh my god. J'aime bien la réplique qu'il a fait quand même. Ça, c'est ce que j'appelle une élimination confirmée. Une batte! Batte de baseball, ouais! J'ai toujours vu lui avoir ça, c'est fou, hein! Ouais, on va filer. Ah, c'est bon. Ah, oh, je me dis, what? C'est la fois que je trouve un bureau fermé comme ça. Génial! En plus, il y a juste une clé, un jeu de métro et un autre truc. Ok, bon, je trouve une clé. Je ne trouve rien. Ah, je vois la porte, je fais ok. Bon, voilà. Ça y est. Coucou, y'a quelqu'un? Non, y'a personne. Mais y'a de l'argent. Y'a que dalle. Ok. Test sur mannequin zombifié. Là, je fais ok. Bon, là, là. Ok. Lâchez, hop là, on ouvre la porte. Entre et. Ah, c'est quoi ce machin? Oh my god, une surspeed putride. Oh my god. Là je fais. Ouais, bon, je fais. Si je fais des dégâts, mais voilà quoi. La sorte d'où c'est là. Oh my god. J'ai un petit soin parce qu'elle fait tout très mal. Là j'essaye tant de mal tirer sur son pied. Je vais t'envoyer en enfer. Ah ouais, tu vas le... Ouais, là je suis... Oh putain, con. Je suis descendu, j'ai fait traverser le plancher. Éculé. My god. J'ai... Putain, va descendre par où là? Ok. Ok, laisse pas. Là je prends de la drogue. Pour résister, pour la défoncer, et je fais ouais. Et là j'arrive à l'endroit, mais elle est plus là. Mais elle est où? Je descends par là, toc toc. Faut pas me chercher. Et là j'ai... Ok, là en bas. On descend
bas. Et là, Oh putain, ça me fout sur ma gueule. Je le tire tout à côté. Fuck. Ah putain, mais c'est mal. Ah putain. C'est costaud là. On partage tout ça, pas vrai? Eh oui. Donc voilà, là, je me dis, il reste un endroit quand même. Il reste en bas à y aller. Donc je vais aller au bas. Donc là, il y a... faut pas y... passer par quatre chemins. On va ouvrir comme ça. Enfin moi ce qui doit niquer quelque part, je ne sais point. Donc je l'essaye plusieurs fois, sans succès. Et là, enfin. Génial. Génial. Allez, dans le sous-sol. Qu'est-ce que je vais trouver en bas? Là, je dis oh putain mais. J'espère que vous avez gardé de la place pour le dessert. Ouais ouais, t'inquiète pas, j'ai la place. Et là, ça pue un peu. J'ouvre le feu. Ça pue les goules. Fini de jouer. Ça, on dirait que ça a fait mal. Mon plasma, il a réglé vite fait le problème. Là, je fais... Oh putain, encore une. Grosse erreur. Oh, c'est erreur de ta mère, la goule. Tu vas crever. Impressionnant, non? 99 XP, game. Oh my god. Là, ça pue un peu, game, dans le coin. Hein. Je ramasse tout ce que je peux, là. Hop. Je vérifie. Hop, je prends la petite nuque. Et là, je fais. Oh putain, encore un minigun. Minigun, violence. Oh, je fais 14. Ah, ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais. On verra bien quand on pourra l'améliorer celui-là. Je pense qu'il pourrait être pas mal. Donc voilà. Tac. Un cadavre d'une boule. Morte, habillée en plus. Ok, un peu. Ok, je regarde le PC de Monsieur Théodore. Qui n'a pas vraiment grand chose d'intéressant. Ok, le mec il se plaint des centaines d'années. Ok, bon. Alors, regarde, on fouille, on prend tout ce que je veux. Moi je me dis, ouais, ouais. Ça, ok. Oh, il va tout. Ah, chouette. Et là, un coffre. Ok. Bon, allez, tu t'ouvres. Allez. Voilà. Ah. Et enfin, c'est ouvert. Saleté de poussière. J'en ai plein le nez. Putain, la poussière ici. Ok, d'accord. On va faire vite, hein. On va sortir, on regarde à peu près qu'est-ce qu'il y a dans le truc, et on fait ce qu'on veut. Là, j'ai où, putain, il y a une électricité ici. Là, je vois, tiens, y a un truc là. En fait, y'a rien. On sait jamais, je regarde un peu partout là. On dit, bon, et on va se barrer, hein. Hop. Voilà. On est sorti à l'air libre. Donc voilà, on a l'air libre. Oui. Ok, donc là j'ai fini. Tac tac, il faut appuyer là. Hop, c'est bon. Hop, activer le machin. Donc voilà. Je regarde quelques trucs comme ça. Je regarde du moins si je peux mettre un générateur. J'ai pas assez de compo. Sauf pour ça, le générateur électrique est éolien. Hop, je crois que je vais mettre quelque part par-ci, par-là, voilà, c'est face à la mer, hop là. Donc voilà, après je regarde ça, je la déze automatiquement, je sais pas pourquoi, elle me plaisait pas, ça aussi, allez hop, au revoir, au revoir. Là je commençais un petit peu à défoncer ça. Donc là je vous dis, ben, je pense que je vais arrêter cet épisode à ce niveau-là.
Donc voilà, j'explique que je vais, je vais ratisser toute l'endroit pour enlever les machins. Donc voilà, et je vous dis que on se retrouvera ici pour le prochain épisode. Donc je vous dis à plus tard, c'était Kancho, et bye bye tout le monde!